bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur France 3 Corse Via Stella pour notre émission spéciale et consacrée à la drogue en Corse. Alors nous le savons tous, le mythe d'une île épargnée par le trafic et la consommation a fait long feu. Et depuis longtemps, aujourd'hui, les réseaux de trafic sont de plus en plus organisés et les produits de plus en plus variés. Cannabis, cocaïne, héroïne, mais aussi crack et autres drogues de synthèse circulent dans les villes comme dans les villages. Et cela, été comme hiver, avec des conséquences importantes sur la santé de la population et notamment celle des jeunes. L'époque du slogan nationaliste à Drogavor est révolue et si quelques tags sont encore tracés sur les murs de l'île, impossible de le nier, le tabou de la consommation est tombé et tous les âges et toutes les classes sociales sont touchés. Alors comment expliquer que l'on en soit arrivé là? Quelles sont les conséquences du phénomène sur la société corse d'aujourd'hui? Comment les services de l'État s'organisent-ils pour lutter contre le trafic de stupéfiants? Comment accompagner médicalement les malades? Comment prévenir l'addiction, notamment chez les jeunes? Pour aborder toutes ces questions, nous accueillons, ou plutôt nous sommes accueillis par le général Tony Mouchet. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, ravi de vous accueillir ici, à Spreto. Vous commandez donc la région gendarmerie en Corse. À vos côtés, Thierry Demaria, vous êtes commissaire divisionnaire et vous êtes directeur territorial de la police judiciaire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Arnaud Vierneret, vous êtes donc procureur de la République de Bastia. Bonsoir. Donc avant toute chose, on va d'abord remercier la gendarmerie donc, de nous accueillir ici à Aspret. On n'a pas choisi ce lieu par hasard, mais bien parce qu'il est emblématique du fait que le problème de la drogue en Corse se pose notamment en termes de sécurité publique. Et c'est d'ailleurs par ce volet que nous allons commencer nos échanges. Alors avant de laisser la parole à nos invités, voici quelques chiffres qui vont permettre d'avoir une vision globale de la situation du trafic. Ce sont les saisies annuelles de produits stupéfiants. Donc on le voit, le produit le plus important, c'est le cannabis, puis la cocaïne et enfin l'héroïne avec des portions congrues sous votre contrôle de drogue de synthèse. On va commencer ce tour de table avec vous, monsieur le procureur de la République de Bastia. Est-ce qu'à votre sens, le trafic de stupéfiants augmente en Corse de manière significative ? Alors, ça dépend de l'échelle de temps que vous observez. Sur une échelle de temps relativement courte, de l'ordre de 3 à 5 ans, on constate une relative stabilité des saisies qui sont effectuées sur le ressort notamment de Haute-Corse. Alors, bien évidemment, si vous décalez votre regard et que vous prenez une échelle de temps plus longue, sur 10 ou 15 ans, on va mécaniquement constater plus de saisies en Corse de produits stupéfiants. Donc, vous le savez, hein, les saisies dépendent aussi du succès ou parfois de l'échec de certaines opérations de police ou de gendarmerie, certaines opérations exceptionnelles vont permettre d'avoir des chiffres une année particulièrement élevée sans que cela traduise nécessairement une explosion du trafic. Il y a aussi donc l'aléa de l'activité des services qui peut expliquer parfois des variations à la hausse ou à la baisse des produits stupéfiants saisis. De manière générale, votre sentiment sur l'augmentation du trafic ? Pour moi, on est sur aujourd'hui un trafic de stupéfiants qui n'épargne absolument aucune région, ni sur le continent, ni en Corse. On est sur quelque chose qui, hélas, notamment pour le cannabis, est devenu, sinon culturel, du moins très largement répandu dans la population, spécialement parmi les plus jeunes de nos concitoyens, comme vous l'indiquiez. Donc je ne parlerai pas d'augmentation très nette ces dernières années d'un trafic, mais au contraire de la pérennisation des trafics locaux qui s'inscrivent, hélas, maintenant dans le paysage corse. Thierry Demaria, vous dirigez donc la police judiciaire. Est-ce qu'on voit que les quantités saisies sont peut-être moins importantes que sur le continent? C'est significatif? Ça veut dire qu'on n'en est pas encore au stade de certaines banlieues françaises? Oui, incontestablement. Le problème, le trafic de drogue existe et ainsi que le disait M. le procureur de la République, il est maintenant bien établi. C'est une réalité incontournable. Bon. Toutefois, effectivement, il n'atteint pas les dimensions qu'il peut atteindre en certaines métropoles, enfin dans la plupart d'ailleurs, hein, des métropoles du continent. Et puis, mais je crois que nous y reviendrons plus tard, dans ses conséquences aussi, et notamment en termes d'effets sur les homicides, les règlements de compte. On reste encore ici en Corse, à mon sens, sur d'autres moteurs. Mais il faut s'inquiéter, ça prend ce chemin-là. On peut se dire que dans quelques années, les situations qu'on connaît par exemple à Marseille pourraient avoir lieu en Corse? Non, parce qu'on n'a pas tout à fait la même population criminelle, si je puis dire, y compris dans le trafic de stupéfiants. Toutefois, on observe aussi que la plupart des groupes criminels émergents se livrent à du trafic de stupéfiants pour asseoir, en quelque sorte,
une certaine ensuite une surface financière qui va leur permettre peut-être ensuite d'investir dans autre chose. Général Mouchet, vous avez une vision globale de la situation sur tout le territoire. Est-ce que vous estimez que l'idée que le trafic il a lieu aussi bien dans les villes que dans les villages, été comme hiver, c'est une réalité ? Oui, tout à fait, c'est une réalité. On voit bien, autant autour de la périphérie bastiaise ou ajaxienne qu'à dans la profondeur des territoires de la Corse, la présence de stupéfiants, la présence de consommation de stupéfiants est bien là et il faut pas se leurrer et nous le savons. Je me permettrai juste de rebondir un petit peu sur la problématique des chiffres. Faut pas oublier que la Corse, ce sont globalement 350 000 habitants. Sont tous, heureusement, tous ne sont pas des consommateurs potentiels. Donc on reste quand même sur une population assez peu nombreuse, donc des consommateurs potentiellement moins nombreux, donc des chiffres de saisie qui sont eux aussi plus faibles par rapport au continent. Il faut bien rapporter à la population ce que l'on saisit. Et finalement, moi, je pense qu'effectivement, il y a une réelle problématique, comme on retrouve dans d'autres villes et d'autres régions du continent. Alors, avant de poursuivre nos échanges, on va regarder un reportage réalisé par Marie-Françoise de Stéphane et Stéphane Paul sur un montage de Matteo Luccioni. Contrôle inopiné au centre de tri d'Ajaccio. C'est reconnaissable, c'est les colis Amazon. Ceux-là, ils ont des sécurités vraiment qui nous permettent de... Déjà, sur le côté stup, par exemple, on est sûr quasi à 100% qu'il n'y a rien là-dedans. Le courrier, c'est souvent le moyen des petits trafiquants pour envoyer leurs marchandises. Et ça, typiquement, c'est des produits il y a peu d'intérêt d'envoyer ce type de produit par la poste, parce que ça se trouve partout. Ce paquet paraît suspect. Ah, ça, c'est que ceci. Mais voilà, typiquement. Et ça ressemble en tout point à de la résine. 15 grammes de cannabis caché dans un tube de dentifrice, le colis était destiné à un restaurateur. On va faire des recherches sur les noms, on va faire tout un recoupement d'informations qui va nous permettre de savoir si c'est vraiment quelqu'un qui travaille, si c'est quelqu'un qui est en vacances ou si c'est quelqu'un qui une identité qui a été empruntée. Voilà, là, à première vue, il y a quelques documents dans le colis. C'est plutôt... moi, je pense que les identités, là, sont réelles. On connaît ce du violet, c'est bien du cannabis. La plupart du temps, ces envois concernent de simples consommateurs. Mais parfois, les prises peuvent mener à des réseaux. À ce moment-là, on va utiliser des méthodes un peu différentes. On va déjà auditionner les personnes qui sont intéressées à la fraude et qui sont les infracteurs potentiels et les participants du réseau. Et puis on va travailler soit avec nos structures en Corse et puis éventuellement aussi avec la gendarmerie et la police selon les secteurs. Douane, gendarmerie, police judiciaire, ces trois autorités se retrouvent au sein de l'OFAST, le nouvel outil anti-stupéfiant, fer de lance de la lutte contre les réseaux structurés. L'OFAST a remplacé l'OCTRIS, l'Office central pour la répression du trafic illégal de stupéfiants, secoué par des scandales. Ici, dans le local de la Crosse, la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, un policier, un gendarme, un douanier recueillent des renseignements. On arrive à faire des regroupements. C'est pour ça qu'en fait, le but de la Crosse, c'est aussi d'avoir à terme un fonds documentaire en stup conséquent et de savoir voilà, un petit peu ce qui se passe en Corse en matière de stup. 10 points de deal sont répertoriés en Corse avec des prix plus chers dans l'île que sur le reste du territoire. 195 kilos de cannabis, 4,5 kilos de cocaïne, 3,5 kilos d'héroïne ont été saisis en 2021. Frapper au portefeuille, c'est l'objectif des enquêteurs. Tout le travail de l'enquête va tenter de démontrer l'existence de ces réseaux criminels et de montrer également, de démontrer que l'argent qui provient du trafic de produits stupéfiants a été utilisé pour s'enrichir, placer et se fournir en biens de consommation. Et donc, aujourd'hui, notre travail, il s'axe sur ces deux orientations, saisir les produits et interpeller les auteurs, mais aussi récupérer ces fameux biens mal acquis, en quelque sorte, qui ont été obtenus grâce au trafic de produits stupéfiants. Les réseaux identifiés se fournissent généralement en Hollande ou en Espagne et pas souvent par Marseille. Devant les tribunaux, les trafiquants sont de plus en plus nombreux. On a effectivement des familles dont on connaît
l'implication dans le trafic de stupéfiants, qui sont plus ciblés que d'autres. On a aussi des dossiers qui nous amènent sur le Grand Marseille, si je puis dire, puisqu'il y a des connexions entre la région marseillaise et la Corse. Et ça, on y travaille évidemment sur des plus au long cours avec les juges d'instruction, y compris du continent. L'argent de la drogue est reversé à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Direction régionale des finances publiques. Une manière de réapprovisionner les caisses de l'État. Alors réapprovisionner les caisses de l'État, frapper les bandes criminelles au portefeuille, c'est désormais une nécessité. Thierry de Maria, on imagine qu'à la police judiciaire, c'est aussi une de vos priorités dans les enquêtes. Oui, c'est un aspect maintenant absolument incontournable des enquêtes. Une fois qu'on a tenté d'identifier le réseau, c'est ensuite essayer de savoir effectivement quel chemin ont pris les avoirs criminels. Toutefois, pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour l'instant, les avoirs criminels relatifs aux affaires de stupéfiants concernant la police judiciaire en Corse représentent environ 10% des avoirs criminels que nous saisissons dans leur intégralité. Alors ça ne veut pas dire que le trafic de stupéfiants, c'est 10% de l'activité criminelle. Ça n'est pas ça du tout. C'est simplement que d'une manière générale, nous constatons, y compris au niveau national, que l'essentiel des avoirs criminels provient encore des affaires financières, en réalité. Voilà. 10%, c'est chaque année, à peu près, autour de 500 000 euros saisis par la police judiciaire en matière d'avoirs criminels. Du côté de la gendarmerie, comment est-ce que vos services s'organisent? Comment est-ce que ça fonctionne? On travaille à deux niveaux, si vous voulez. À la fois par le bas, en traitant la problématique par les consommateurs, et de l'autre côté, par le haut, en traitant sur la grande criminalité, la criminalité organisée, notamment sur les trafics les plus importants, avec la section de recherche. Donc par le bas, les choses sont, sont plus simples, c'est-à-dire qu'on va aller, à l'occasion de contrôle, récupérer des matières, utiliser le cadre légal qui nous permet derrière d'aller faire des perquisitions et essayer de remonter derrière sur le revendeur et éventuellement, on peut toujours avoir de la chance quand on cherche, hein, sur les trafiquants ou ceux qui revendent derrière. Derrière, on travaille évidemment, tout comme nos camarades de la police judiciaire, sur une délinquance beaucoup plus structurée, hein, afin là aussi d'identifier les réseaux, de voir comment la matière est importée, et derrière travailler, comme le disait le patron de la section de recherche, hein, de deux manières, hein, à la fois sur la saisie des produits stupéfiants, l'identification des filières, et de l'autre côté, le travail sur les avoirs criminels et la saisie. Car c'est bien en tapant au portefeuille, hein, que l'on arrive aussi à faire. Je pense que c'est une délinquance aussi, cette délinquance organisée, à intégrer dans sa façon de travailler, à intégrer le risque lié à la détention. C'est un accident du travail. Donc certains provisionnent derrière des moyens financiers, hein, pour faire face à ce risque. Nous, l'objectif, c'est d'aller aussi chercher ce qu'ils ont mis de côté pour derrière taper doublement. Et alors sur l'organisation des réseaux, monsieur le procureur, est-ce qu'on sait à quoi ça ressemble les réseaux de trafic de stupéfiants en Corse? Est-ce que c'est plutôt des petites bandes qui s'organisent dans leur coin? Est-ce qu'il y a des gros réseaux de crimes organisés qui tirent un peu les ficelles? Certains dossiers d'information judiciaire très récents ont plutôt démontré l'existence de réseaux, certes structurés entre la Corse et le continent. Alors, on a parlé dans votre reportage de Marseille, mon collègue d'Ajaccio a visé Marseille, pour aussi viser Toulon ou Nice. Et donc, sur ces trafics, on a ces connexions continent-Corse, mais sans lien avec la grande criminalité, le grand banditisme insulaire. J'ai d'autres dossiers en tête où, au contraire, cette connexion a pu être faite policièrement, sinon parfois judiciairement, puisque vous savez qu'entre des surveillances, des éléments qui apparaissent dans un dossier et la capacité ensuite à apporter la preuve judiciaire d'une implication, il peut y avoir une certaine différence. Donc on a pu démontrer l'implication du grand banditisme sans systématiquement pouvoir judiciairement mettre en examen, incarcérer des gens qui appartiennent au grand banditisme. Mais cette connexion peut exister aussi. Alors justement, c'est quoi les difficultés sur ces types d'enquêtes, Thierry de Maria? Alors la première des difficultés, dirais-je, elle est liée à la configuration même, à la géographie du territoire corse.
travailler sur un trafic de stupéfiants, les stupéfiants vont arriver en Corse, puisque c'est une île, de toute façon. Ils ne vont pas arriver nécessairement à l'endroit où ils vont être revendus. Et nous observons d'ailleurs qu'il n'est pas rare que les stupéfiants arrivent à un endroit et qu'ils soient ensuite destinés à une autre ville de Corse. Ce qui veut dire qu'il faut faire des filatures, des surveillances. Bon. Faire une filature sur les routes corses, ce n'est pas aussi simple peut-être, même si ce n'est jamais simple, mais ce n'est pas aussi facile que sur une autoroute du continent. Donc ça, c'est la première difficulté. On a un territoire qui est quand même très particulier, effectivement assez peu peuplé, où les choses se remarquent. Il faut donc redoubler à la fois de technicité et d'ingéniosité de la part des enquêteurs pour essayer d'identifier les protagonistes du trafic. La deuxième difficulté, c'est qu'on ne maîtrise pas tous les points d'arrivée. Bah, ça peut paraître surprenant de dire ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que, sur une île, pourtant, on pourrait se dire. Oui, il y a des ports, mais il y a aussi une aviation civile avec de multiples aérodromes. Il y a aussi quelques bateaux, je pense notamment à la période estivale, des bateaux de plaisance qui peuvent arriver et on ne peut pas tout n'est pas contrôlé. Il n'en reste pas moins que, comme le disait le général, j'ai tendance à considérer que sur un bassin de population de 300 000 habitants, on les saisit, qui d'ailleurs, effectivement, comme disait le procureur de Bastia, n'évolue pas trop hein, depuis quelques années, sont révélatrices en réalité de l'état, à la fois de la consommation, mais aussi de l'efficacité de la lutte contre les stupéfiants dans l'île. Ce que vos auditeurs doivent comprendre, c'est que lutter contre les stupéfiants, c'est un travail d'initiative. Ce n'est pas une infraction qui vient à nous. Hein, quand on vous cambriole, vous allez déposer plainte. Donc l'infraction arrive à nous et on commence enquête. C'est un travail d'initiative. Donc c'est vraiment, que ce soit sur le petit trafic local ou le grand trafic, c'est quelque chose que les policiers et les gendarmes doivent aller chercher. Et le début de la complexité, il est là. Parce qu'à la limite, on ne chercherait pas, on ne trouverait pas. Hein, je n'ai pas encore vu un délinquant arriver dans une brigade de gendarmerie, dans un commissariat de police, en nous disant « Tenez, j'ai 500 grammes de résine ». Donc la réalité, elle est là. C'est que ce sont vraiment les policiers et les gendarmes qui vont faire ce travail d'initiative pour aller chercher l'infraction, pour la matérialiser. Hein, et le début de la difficulté est là. Parce que derrière... Faut aborder aussi cette matière avec beaucoup d'humilité. Je rebondis sur ce que vous disiez. Vous savez, si on connaissait le point d'arrivée, le point de départ et le trafiquant, depuis longtemps, on l'aurait interpellé. Hein, les choses ne sont pas aussi simples que cela. Hein, sans signalement, sans information, sans travail, parfois dans l'ombre, d'enquêteurs qui vont essayer de recollecter de l'information. C'est le travail d'ailleurs que fait la CROSS, cette coordination dans le renseignement entre le travail que font les douanes, la police et la gendarmerie. Sans cela, hein, on n'arriverait pas à matérialiser cette information. Hein, c'est pour ça que les affaires, finalement, sortent au fil de l'eau, arrivent, mais il faut pas, n'oublions pas que c'est d'abord, avant tout, un travail d'initiative. Et que derrière, on essaye de matérialiser l'infraction, de saisir les produits, de présenter ensuite les auteurs devant la justice avec le maximum de preuves. Sur l'économie, est-ce qu'on sait ce que ça pèse de l'argent de la drogue en Corse ? Est-ce qu'on a une idée de ça, Monsieur le procureur ? Ça fait partie des chiffres que j'aimerais bien avoir moi-même, mais qui sont particulièrement évidemment difficiles à appréhender. Les sommes saisies en matière de trafic de stupéfiants sont sur à peu près 18 mois supérieures à 300 000 euros, ce qui peut être un marqueur de la puissance financière de ces réseaux de trafiquants, mais qui est très probablement sous-estimé par rapport à l'ensemble des revenus tirés du trafic de stupéfiants. Donc j'aimerais pouvoir vous donner un chiffre précis, mais on est par construction dans une économie illégale dont on voit finalement qu'un affleurement qui est la saisie patrimoniale qu'on peut faire à l'occasion de certains trafics. Alors j'en profite peut-être pour revenir sur ce qu'a dit le directeur de la police judiciaire. L'angle patrimonial est devenu véritablement crucial dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Trop longtemps, culturellement, cet angle d'attaque a été vu comme secondaire, accessoire au produit, accessoire à l'incarcération et au mandat de dépôt, donc prononcé à l'encontre des trafiquants. On est aujourd'hui sur une logique qui commence à être inverse, c'est-à-dire que
pour véritablement lutter efficacement contre ces réseaux, il faut les assécher, il faut les priver du fruit de leur trafic, et donc il va avoir une technicité particulière. Les techniques d'investigation, les spécialisations d'enquêteurs ne sont pas du tout les mêmes pour interpeller le réseau des vendeurs et des revendeurs que pour identifier des avoirs criminels, procéder à leur saisie, que ce soit d'ailleurs en Corse ou à l'étranger, ce qui implique aussi d'autres types de techniques, d'autres types de points de droit qui doivent être aussi maîtrisés par les enquêteurs. Donc on est vraiment aujourd'hui sur un double cheminement. Faire des saisies de produits, c'est bien. Évidemment, prononcer des mandats de dépôt, c'est essentiel, mais il faut aussi, de manière particulièrement forte, priver les réseaux de trafiquants de stupéfiants du produit de leur trafic. Et sur l'aspect économique, on sait que la drogue se vend plus cher en Corse que sur le continent. Est-ce qu'on peut constater que ça aura une influence sur l'évolution de la délinquance et notamment de la violence sur les personnes ? Alors, l'exercice de violence pour financer une consommation, je ne le pense pas. C'est un type de violence que j'ai pu rencontrer dans les Antilles, avec un produit très particulier qui est le crack, où là, on avait un phénomène parfois de braquage ou d'atteinte aux personnes liées à la volonté de financer cette consommation. Sur les autres produits, c'est quelque chose qui est quand même un peu moins prégnant. Donc je ne pense pas que ce soit, je dirais, le risque majeur. Le risque majeur, c'est en revanche, clairement, et ça on l'a vu sur le continent, hélas, c'est par l'impact financier de ces trafics, par les gains et le ruissellement de ces gains, qu'on puisse avoir des quartiers, des zones qui progressivement s'ancrent dans un trafic et perdent le contact avec le reste de la société. Donc ça, c'est véritablement un point de vigilance qu'on doit avoir et qui est lié de manière assez mécanique à l'essor des trafics et des points de revente locaux. Pour revenir sur la problématique du crime organisé, est-ce qu'on sait si, par exemple, les règlements de compte ont à voir avec le contrôle de zones pour le trafic de stupéfiants ? Thierry de Maria. Alors, avec le contrôle de zones, à proprement parler, ce qu'on peut appeler par ailleurs la guerre des territoires, non, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas en Corse, mais tout simplement parce qu'on n'a pas affaire, encore une fois, à la même géographie. En outre, les groupes criminels, les groupes de criminalité organisée corse se livrent à de multiples activités qui font que finalement le trafic de drogue n'est plus nécessairement le plus rémunérateur pour eux. Bon. Il n'en reste pas moins que, donc c'est ce que je disais au début de mon propos, en réalité, alors que l'essentiel des règlements de compte maintenant sur le continent, on peut dire qu'ils sont liés au narcomanditisme, ce qu'on appelle narcomanditisme. Je pense qu'encore, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Mais ça nous guette. Enfin, ça nous guette. Je repars là que, inéluctablement, si le trafic de stupéfiants se développe, on aura ce genre de mécanisation, de toute façon, du règlement de compte. Général Mouchet, votre avis ? Je partage totalement ce point de vue. C'est ce qu'on peut constater, en fait, y compris sur des affaires récentes pour lesquelles nous avons été saisis. Effectivement, la grande criminalité en Corse est finalement multicarte. Donc le trafic de stupéfiants fait partie d'une des façons de générer des revenus, mais il y a d'autres façons. Et on est plus encore sur une approche territoriale différente qui n'est pas exclusivement liée à la maîtrise d'un territoire pour vendre et importer de la drogue. Donc, si vous voulez, quand on a une affaire, on voit apparaître la matière stupéfiante derrière. Parfois d'ailleurs, y compris chez des victimes, on retrouve des produits stupéfiants. Hein, mais derrière cela, la motivation, on va dire, du règlement de compte n'est pas liée directement au trafic de stupéfiants. Mais il y a un petit bruit de fond qui est là, qui est présent, qu'il ne faut pas nier. Hein, c'est pas la raison première, mais il y a ce petit bruit de fond qui est là, qui est présent depuis quelques années et qui se continue. Mais ça veut dire que faire du trafic de stupéfiants, ça ne fait pas assez d'argent pour que les bandes criminelles en soient à ce stade d'affrontement ou... Je pense que oui. Je reviens quand même à ce que je vous disais au début. Il y a cette réalité économique. Je suis désolé de l'évoquer ainsi, mais cette réalité économique d'une faible capacité, peu de consommateurs ici.
On voit même d'ailleurs, on parle toujours d'un pic estival. Dans mes chiffres, on ne fait pas plus de saisies l'été que l'hiver, hein, ce qui veut d'ailleurs bien démontrer que, je parle des petites saisies du quotidien, ce qui veut bien démontrer qu'il y a une imprégnation toute l'année au sein de la population de Corse de la consommation de stupéfiants. Mais pour revenir, donc, on n'a pas ces pics, ces pics-là. Néanmoins, moi, je reste vraiment convaincu qu'on aura ce côté multicarte se développe. Si demain, le trafic de stupéfiants devient la priorité, ou du moins une des ressources principales pour certains clans, certains clans, peut-être que demain, on aura ça. Mais j'en suis pas convaincu parce qu'il y a toujours cette réalité. On a une deuxième chose, c'est que c'est un... aujourd'hui, cette grande criminalité, enfin, je ne sais pas si tu partages cet avis, ce sont des importateurs. D'accord ? Ce ne sont pas, nous n'avons pas en Corse des clans qui trafiqueraient, par exemple, du Maroc vers la région parisienne. Non, ce sont des gens qui organisent l'importation de matières stupéfiantes, hein, via des réseaux, et qui ensuite assurent la distribution en Corse. Hein, on est loin, si vous voulez, d'un gros narcotrafiquant, hein, qui serait implanté en Corse, qui régnerait sur la Corse et sur d'autres territoires. Si vous voulez, l'économie générale du dispositif, y compris de revente de stupéfiants en Corse, n'est pas comparable à ce qu'on peut trouver sur le continent. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas tout à fait les mêmes conséquences. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Ça veut dire que... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le... Non, mais si vous voulez, je ne crois pas qu'on ait, par exemple, ici en Corse, un point de deal qui tourne à plusieurs dizaines de milliers d'euros de rentabilité par jour, comme c'est ailleurs. Ce qui peut expliquer ensuite, effectivement, les règlements de compte, les assassinats, en réalité, qu'on trouve sur le continent, qu'on connaît sur le continent. Voilà. C'est ce que dit... On a un périmètre de consommateurs nécessairement réduit. Et donc, on a moins de crispations liées autour de la vente. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Sur les règlements de compte, on peut obéir à évidemment plusieurs types de mobiles. L'un des mobiles principaux, c'est le contrôle de la ressource financière. Donc, si la ressource financière devait être liée au trafic de stupéfiants, on verrait naturellement des règlements de compte être commis pour ce seul motif. Aujourd'hui, je partage l'analyse et du directeur de la police judiciaire et du général, la situation est un peu différente. C'est-à-dire que le fonds de commerce, du triste commerce des clans criminels, ça n'est pas que le trafic de produits stupéfiants. Ce sont d'autres types de ressources, notamment l'extorsion, mais encore d'autres types d'activités de cette nature. Donc on est sur une physionomie locale qui est encore un peu particulière de ce point de vue. Et sur la lutte contre le trafic du stupéfiant, vous estimez que les moyens sont suffisants et sont efficaces ? On pourrait toujours avoir plus de moyens. Ni moi, je pense, ni mes interlocuteurs des forces de sécurité intérieure qui s'en plaindraient. Néanmoins, je pense qu'il faut déjà utiliser à plein les moyens dont nous disposons, qui ne sont en Corse pas négligeables. La Corse est plutôt bien dotée en police judiciaire et en gendarmerie également. Utiliser les moyens humains, se dire que la lutte contre le trafic de stupéfiants, ce n'est pas qu'une histoire de texte ou de loi, mais c'est une construction d'enquête au long cours. C'est le développement de compétences, on l'a dit, en matière patrimoniale. Et c'est un combat qui ne se gagne pas sur un dossier, qui ne se gagne pas en 6 mois, mais qui se gagne sur plusieurs années. Donc oui, je prendrai volontiers des moyens supplémentaires, mais nous avons déjà un certain nombre d'outils, alors il y a des effectifs, des moyens techniques aussi qui sont de plus en plus importants. Il y a des textes qui permettent un certain nombre de choses, des techniques spéciales d'enquête. Il y a un régime qu'on appelle le régime complet de la criminalité organisée qui est applicable au trafic de stupéfiants et qui sont des outils puissants qu'il nous faut mobiliser déjà pour en tirer le plein rendement et ensuite, le cas échéant, obtenir des renforts si c'est nécessaire. Là, en 2 ans, on a vu la création de 2 collectifs anti-mafia en Corse qui réclamaient, il y a encore quelques jours, l'évolution de la législation, notamment pour lutter contre le crime organisé et aussi contre le trafic de stupéfiants. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse et qui pourrait vous interpeller, l'évolution vers une législation à l'italienne.
Alors c'est un débat local qui a une certaine acuité. Je sais que les collectifs anti-mafia portent cette revendication. Je comprends parfaitement qu'ils la portent au demeurant. Moi, au-delà de me prononcer sur des évolutions législatives, encore une fois, je voudrais réaffirmer le fait que nous avons aujourd'hui des outils qui nous permettent de lutter efficacement contre ce type de trafic. Qu'on puisse réfléchir à des évolutions, pourquoi pas, ça peut être une aide, une facilitation du travail des enquêteurs et des magistrats, mais il ne faut pas attendre d'évolution nécessairement pour avoir une action efficace, structurée contre les trafics de stupéfiants. Il y a des qualifications qui sont prévues par le Code pénal aujourd'hui qui permettent de travailler sur des trafics en cours, qui permettent de travailler justement sur les gains patrimoniaux de ces trafics au travers d'une législation anti-blanchiment qui s'est considérablement durcie depuis une dizaine d'années. Donc nous avons aujourd'hui des moyens puissants pour travailler. Thierry de Maria, votre avis sur la question ? Oui, alors en termes humains et de moyens, effectivement, le directeur de la police judiciaire que je suis ne se plaindra pas des moyens qu'il a actuellement en Corse pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Avec votre reportage, l'a montré, la création de l'antenne au FAST, avec la CROSS qui effectivement est un véritable outil de coordination enfin du renseignement anti-stup. Donc tout ça va dans le bon sens. Effectivement, monsieur le procureur de Bastia l'a dit, nous avons des textes qui nous permettent de verser, dès lors qu'on a un soupçon de façon de trafic de stupéfiants, dans les techniques spéciales d'enquête liées à la lutte contre la criminalité organisée. Donc pour nous, l'arsenal juridique est suffisant. L'argument majeur qui devrait plaider, même si encore une fois le problème est réel, hein, il ne s'agit pas de le nier évidemment, les trafics stupéfiants, mais ce n'est pas l'argument majeur qui devrait plaider pour les partisans d'une législation spécifique anti-mafia en Corse. Voilà, que c'est un débat qui, dans lequel je n'entrerai pas. Général ? Je crois que tout a été dit. C'est deux aspects. Tout d'abord, les moyens, on les a. Côté gendarmerie, notre structuration est telle que lorsque ponctuellement j'ai besoin, et parfois pendant des mois entiers, de renforts qui viennent du continent, les renforts sont là. Donc, enfin, il n'y a pas de sujet. Évidemment, on voudrait toujours plus, mais il n'y a pas de sujet. Nos limites ne sont pas là. Le deuxième point, sur l'aspect législatif, s'il faudrait changer les lois, écoutez, je suis entièrement d'accord. Je suis mal placé quand même pour le dire, hein, mais appliquons déjà celles qui sont là pleinement, utilisons la plénitude des moyens que nous donnent les textes et les résultats sont là. Nous avons des saisies, nous avons des saisies patrimoniales, etc. Donc les résultats sont là. D'ailleurs, moi je suis entièrement ouvert à la discussion, aux réflexions, parce que effectivement c'est de l'ensemble, hein, de la réflexion de tout le monde, on pourra faire évoluer les choses. Je le disais tout à l'heure, nous avons aussi besoin de vision autre, de vision des territoires, de compréhension des territoires. Ces collectifs, moi je pense, peuvent être aussi des aiguillons, peuvent aussi nous aiguillonner un petit peu. Hein, moi je serais d'ailleurs ravi de les rencontrer. Ça me ferait plaisir d'échanger avec eux, de leur expliquer à la fois nos contraintes, mais aussi nos résultats, hein, et voir avec eux comment on pourrait ensemble travailler. Parce que parfois, on a aussi besoin de renseignements, d'informations et d'avoir des aiguillons qui nous permettent de mieux fonctionner. Dernier volet, on se focalise beaucoup sur la grande criminalité. Enfin, pour revenir sur le trafic de stupéfiants, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas de trafic. Ça reste quand même le vrai sujet. Ça sera peut-être la transition pour les autres. Je suis désolé. Hein, mais le vrai sujet, il est là. Il est aussi là. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafiquants. C'est toute la volonté aussi sur le nouveau cadre législatif, sur les amendes forfaitaires délictuelles, hein, qui nous permettent d'aller chercher le consommateur. Parce que jusqu'à présent, il était plus risqué pour votre portefeuille de conduire avec votre téléphone portable collé à l'oreille plutôt qu'avec 3 grammes de résine de cannabis. On va en parler suite. Et d'ailleurs, donc, vous restez sont aussi avec une façon nous pour nous de général faire cela. Monsieur le procureur. Pour revenir sur l'efficacité du système, quelques chiffres.
Depuis un peu plus d'un an, 22 condamnations ont été prononcées par Bastia pour des faits de trafic structuré hein, de produits stupéfiants, avec des peines cumulées de 73 ans d'emprisonnement. Donc ça n'est pas là le signe d'une démission judiciaire ou policière, c'est au contraire le signe tangible d'une lutte qui est une lutte résolue contre les trafics de stupéfiants. Encore une fois, ce week-end, sur un dossier de la police judiciaire, nous avons eu 8 mises en examen et 8 incarcérations provisoire. Très bien. Eh bien, merci messieurs pour toutes ces explications. Général, vous restez avec nous. Monsieur de Maria, on vous libère. On sait que votre parole est rare. On vous remercie d'avoir participé à cette émission. Monsieur... Merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Monsieur le procureur, on vous retrouve en dernière partie. Merci. À tout à l'heure. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie de notre émission. On va aborder le volet sociétal et social du problème de la drogue en Corse. Avant d'en débattre et d'accueillir nos invités, nous allons regarder un reportage sur l'évolution des usages et de la consommation dans l'île. Il est signé Marc-Antoine Renucci et Lionel Lujagne sur un montage de Matteo Lucioni. Des gens qui se cachent dans les toilettes d'un bar pour consommer de la cocaïne. Un dealer qui fait son trafic en bas de son immeuble. Ou encore, une personne qui fume un joint dans la rue. Qui peut dire aujourd'hui qu'il n'a jamais assisté à ce type de scène? Malgré un certain tabou qui continue de régner sur l'île, les occasions d'être confronté à l'usage de la drogue ne sont pas si rares. Et cela n'a pas toujours été aussi évident. En Corse, c'est au milieu des années 70 que le bouleversement se produit. La consommation de drogue se développe surtout à Bastia et à Ajaccio, sur fond de vagues punk et rock, et chez un public majoritairement jeune. Il y a encore quelques mois, on pensait que la drogue, c'était pour les autres. Le problème de la toxicomanie était un phénomène pratiquement inconnu dans l'île. Et puis récemment, sont apparus des signes qui ne trompent pas. La police a même procédé à des arrestations. Selon des gens très au fait de ces problèmes, la toxicomanie a connu en 2 ans une évolution impressionnante. Le phénomène prend de l'ampleur, mais il reste un temps cantonné à un certain milieu musical et artistique. Guitariste dans un groupe de l'époque, cet enfant d'Ajaccio a commencé par le cannabis à l'âge de 15 ans, avant de passer à d'autres drogues. Quand tu fumes ça pour la première fois, tu fumes pas pour frimer. C'est plus de la curiosité, et puis après tu te rends compte que tu as quand même un état de conscience modifié, que c'est assez sympa, parce que tu commences à percevoir des choses que tu n'as pas l'habitude de percevoir dans ton état normal. Et le problème, c'est qu'après, quand on commence à toucher à des drogues dures, bon, bah, forcément, la physiologie en prend un coup, le moral en prend un coup, parce qu'après, la créativité s'en va tout doucement pour laisser place à l'addiction. Et l'addiction, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça détruit. Donc on commence à rentrer fin des années 70, début des années 80, on commence à voir beaucoup de gens qui commencent à en mourir, hein, des overdoses, et puis arrive le point final à ce grand chapitre, c'est le sida. Donc, alors là, forcément, on a quand même pas mal de gens qui disparaissent, hein, qui meurent. C'est vrai que moi, sur à cette période-là, sur une équipe de, je dirais, 25 à 30 personnes, aujourd'hui, nous ne sommes plus que 3. Malgré des conséquences rapidement dramatiques, la réponse des pouvoirs publics va rester timide. Au départ, l'opposition viendra en fait beaucoup du mouvement nationaliste, lui aussi en plein développement. Moi, en 75, je suis autonomiste. Je suis à l'époque avec Nathalie Luchan, toute la clique et tout. Et puis, à un moment donné, j'ai ma vision qui change. J'ai besoin de faire de la musique parce que ça me plaît. Et puis, ce mouvement-là me plaît. Donc, pour moi, c'était pas incompatible. Hein. On pouvait très bien avoir la conscience d'être un peuple occupé par un pays étranger, vouloir s'en sortir, mais en même temps, faire du rock. Mais il y avait quand même des oppositions. Mais... Il y avait des tensions sans qu'il y en ait vraiment. Peu à peu, et notamment à partir de la fin des années 80, la situation va se durcir, menant même à des actions violentes contre des consommateurs ou des trafiquants supposés. Nous ne pouvons rester insensibles à la détresse de toute une jeunesse, interdite de venir et donc jeter en pâtir aux marchands d'illusions et de mort. Personne ne parviendra pourtant à endiguer l'inexorable hausse de la consommation de drogue, ni les nationalistes empêtrés dans leurs divisions et parfois leurs contradictions sur le sujet, ni les autorités qui n'en font pas une priorité. Banalisation et démocratisation de l'usage de la drogue donc, avec des produits comme la cocaïne et le crack qui occupent une place de plus en plus importante.
Parallèlement, en revanche, les politiques de prévention et d'accompagnement des personnes addictes prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de demandes par rapport à ça. En tout cas en structure, ce qui nous laisse penser, c'est une augmentation de l'usage de crack dans notre région. L'association Addiction France fêtera bientôt ses 150 ans. C'est la plus ancienne structure de lutte contre les addictions. Médecins, psychologues, éducateurs spécialisés, tous notent une évolution dans les pratiques et les consommations. Autant, je dirais, dans les années 70, il y avait les héroïnomanes, il y avait les cocaïnomanes. Aujourd'hui, on a l'impression que tout se mélange. Et donc, quelqu'un peut faire un usage d'héroïne, de cocaïne, alors qu'ils ont des effets complètement opposés. Par contre, après, nous, les usages qui nous interpellent depuis quelques années, c'est de la cocaïne qui est coupée et basée avec de l'ammoniac ou du bicarbonate. C'est encore plus dangereux, ça ? Ben, en termes de dépendance, la dépendance intervient bien plus rapidement, et en termes de dégâts, oui. Seule bonne nouvelle, depuis 2014, la consommation de certains produits stupéfiants a baissé chez les jeunes, conséquence sans doute de la stratégie de prévention. Pour autant, le chemin reste encore long et ce n'est plus une nouveauté. La drogue a infiltré tous les milieux sociaux et culturels sans exception. Le cliché du marginal ou du banlieusard achetant ou consommant dans une ruelle sombre paraît plus que jamais suranné. Alors pour évoquer l'évolution des mentalités et des comportements, nous accueillons de nouveaux invités. Daniel Antonini, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes cardiologue, médecin du sport, conseillère territoriale de la majorité à l'Assemblée de Corse, présidente de la Conférence régionale de la santé, de l'autonomie et de la Corse et présidente du Centre du sport et de la jeunesse. Ça fait beaucoup de casquettes. Il y en a d'autres. Bienvenue également à Mathieu Rich, ancien étudiant de l'Université de Corse. Bonsoir. Membre du collectif Parola di Ayuntu et militant au PNC. Alors on va commencer par vous, Daniel Antonini. Une première réaction à ce reportage, on l'a vu, le slogan « Drogavour », dont on l'entend beaucoup moins dans les rangs de la majorité territoriale depuis quelques années. Pourquoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui stigmatisait trop les consommateurs ? Non, je ne pense pas. Mais enfin, j'ai longtemps cru, et en tout cas j'ai voulu croire que notre île était épargnée par la drogue. Et comme l'a dit Sébastien Bonifay hier soir, je l'ai entendu qui parlait à Corsicazer, ce n'était pas le genre de chez nous. Mais en fait, force est de constater qu'effectivement, la drogue, elle est partout, y compris dans le monde rural. Elle touche toutes les couches de notre société, tous les âges. Et d'ailleurs, ce matin, il y avait un article, en première page de Corse Matin, il y avait deux articles qui mentionnaient des problèmes de drogue, un procès, des découvertes de trafic de drogue. Alors, est-ce que la collectivité de Corse, est-ce que ça fait partie de ses attributions et de ses compétences ? Non. Moi, la drogue, je la vois avec deux volets, la prévention et la répression. Là, sur la prévention, il est évident qu'on a du travail à faire. Mais encore une fois, nous n'avons pas les compétences régaliennes. Et l'autre partie est la partie répressive. Et là encore, malheureusement, on ne peut rien faire. Et là, je me tourne. Vous voulez répondre, général ? Non, bah écoutez, vous avez tout dit. Non, effectivement, sur la partie répressive, on a évoqué le sujet tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Effectivement, c'est quelque chose. Après, moi je pense que sur la prévention, qui est aussi un autre domaine, je crois que toutes les bonnes intentions sont là. On a besoin d'appui dans plein de domaines. Et je sais qu'on travaille notamment à Porto Vecchio et avec la collectivité, notamment pour d'autres sujets, sur les violences faites aux femmes, par exemple. Hein, donc, l'État a besoin d'appuis locaux, territoriaux, pour nous aider à mettre en place une politique générale qui est une politique qui est utile pour la Corse et pour les Corses, hein, qui n'est pas une politique uniquement de l'État ou d'autres. Donc c'est quelque chose d'assez important. Et la prévention, je partage totalement votre point de vue, c'est vraiment un sujet important. Hein, nous le disions tout à l'heure, sans consommateurs, il n'y aurait pas de trafic. Donc c'est vraiment agir pour faire baisser cette volonté. Comme on l'a fait pour le tabac, comme on le fait pour l'alcool, on doit pouvoir le faire aussi pour les drogues. Mathieu Rich, sur le constat de cette consommation qui est maintenant devenue presque banale, vous étiez étudiant il y a encore peu de temps à l'Université de Corse, vous le faites aussi ce constat ?
Alors, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais à l'université de Corse, c'était moins visible. Bon, ça, pourtant, ça fait qu'un an et demi que j'ai fini mes études, donc c'est très court. Aujourd'hui, quand j'échange avec des jeunes qui sont toujours à l'université, ils me disent qu'aujourd'hui, effectivement, elle est beaucoup plus répandue, et notamment une drogue qui n'était pas forcément présente avant, c'était tout ce qui était gaz hilarant, qui était justement consommé, qui crée un cocktail détonnant, justement, quand on le mélange avec de l'alcool. Et effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de drogues qui sont banalisées, peut-être aussi à cause d'une forme d'acculturation aussi de la société corse. On ne peut plus jouer vraiment sur le côté de la culture, il faut arrêter, surtout qu'on sait que maintenant, dans les années 60-70, il y avait déjà des problèmes de drogue, notamment d'héroïne, qui entraînent beaucoup de problèmes liés à la transmission du sida. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit simplement peut-être une surmédiatisation de la drogue qui n'existait pas avant. Peut-être qu'on en parle plus maintenant, ce qui est une bonne chose. Et peut-être qu'avant, au contraire, c'était un sujet tabou et on tend à l'aborder pour pouvoir le traiter plus intelligemment, sachant que moi, je vais être très, très honnête, ça ne doit pas seulement passer par les politiques ou les forces de l'ordre, ça doit aussi passer par la population, par les citoyens. Dans les pays où ils ont réussi à lutter là-dessus, c'était les familles qui étaient mises en avant. Donc je pense qu'on a un axe de travail qui pourrait être intéressant là-dessus. Alors, sur le constat et sur la situation, on dispose de très peu de documentation et les seuls chiffres qui sont donnés par l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, ils concernent les moins de 18 ans. On va les voir apparaître sur notre écran. En ce qui concerne l'usage régulier de cannabis, c'est 7% de jeunes de moins de 18 ans qui en moyenne nationale et seulement 3% en Corse, donc c'est un peu moins. Et pour l'expérimentation de la cocaïne, on est sur la moyenne nationale. Est-ce qu'on ne manque pas, Daniel Antonini, de chiffres, de recherches, de documentation pour avoir une vision suffisamment pointue, vous, politique, par exemple? Est-ce que vous estimez que vous avez une vision suffisamment détaillée de la situation? Alors oui, effectivement, je pense que les chiffres sont faux. Hein. Je pense que c'est plus... Ben, à mon sens, c'est plus important c'est que déclaratif, ça. Hein, oui, je sais, tout à fait, mais je pense que c'est plus important que ça. Et d'ailleurs, lors des assises d'Iadiouantou, qui ont lieu récemment, on avait organisé un atelier spécifique qui était intitulé « Risques psychosociaux et addictions ». Et les jeunes ont vraiment demandé à ce qu'il y ait plus de sensibilisation, d'action de prévention, et qu'il était important de pouvoir en parler. C'est vrai qu'avant, ça se taisait, on n'en parlait pas. Là, maintenant, c'est peut-être un peu moins tabou. Oui, moi je peux être que d'accord. Juste pour, par exemple, je vois en Grande-Bretagne, il y avait une étude qui avait été faite justement sur les risques liés au cannabis. Il se trouvait que justement l'utilisation des feuilles et du cannabis en lui-même entraînait un développement plus important que chez les consommateurs de tabac de cancer du poumon. Et il y a eu une forte sensibilisation autour de ça. Et étrangement, du coup, là, ils ont observé que les consommateurs de cannabis délaissaient le cannabis et passaient aux cigarettes électroniques ou alors aux cigarettes électroniques goût cannabis. Et justement, ils ne consommaient plus du coup le cannabis sous forme de, comme dit, de joint. Donc c'est comme quoi, c'est vrai que la sensibilisation, ça peut fonctionner, même auprès des consommateurs les plus acharnés, comme il disait justement certains chercheurs. Et alors, vous avez travaillé sur la consommation de toxiques en Centre-Corse. Qu'est-ce que vous avez pu retirer de vos recherches? Alors, il se trouve quoi, effectivement, dans le cadre d'une étude, j'avais, comme je suis à DASC, où j'avais mené une étude sur une dizaine de jeunes, de hommes et femmes, ayant maintenant entre 28 et 32 ans, qui sont anciens consommateurs, mais en l'occurrence, c'était d'alcool et de drogue. Et j'aurais posé la question, pourquoi, en fait, ils étaient tombés dedans? Et c'était unanimement, tous m'ont dit que s'ils avaient eu la possibilité d'accéder à des activités sportives, extrascolaires, plus facilement, parce qu'ils habitaient dans les villages, en l'occurrence, ils avaient du mal à trouver des moyens de s'évader, on dira. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé de, tout simplement de consommer, d'aller chercher de l'expérience un peu particulière avec l'alcool, avec les différentes drogues. Aujourd'hui, ils ne sont plus consommateurs, mais ils regrettent cette période. Et justement, disent que ça serait une bonne chose, justement, alors là, je me tourne vers l'élu de la collectivité, de travailler justement à des moyens de transport, notamment dans les zones les plus rurales, les plus reculées, qui puissent justement amener ces jeunes à faire des activités après l'école. Je sais que par exemple en Islande, ça a été le fer de lance de la lutte contre la drogue, et qui a très très bien fonctionné en seulement 20 ans, développer des activités extrascolaires auprès des jeunes, en sensibilisant les parents, et en mettant en avant notamment l'éducation avec justement les professeurs qui sensibilisaient une à deux fois par mois les parents en leur rappelant l'importance qui était l'importance de faire quelque chose, pas seulement rester à la maison devant les écrans, mais faire quelque chose qui crée un lien social et qui permet notamment de lutter contre l'isolement qui est un des facteurs justement
pour beaucoup de gens qui a entraîné justement ces derniers dans la drogue ou même l'alcool. Alors, on va continuer nos échanges, mais je vous propose, avant de regarder ce témoignage, c'est celui d'un jeune homme de 36 ans qui est un ancien héroïnomane qui a consommé de ses 18 à ses 29 ans et qui a accepté de nous parler de son expérience. Alors, pour préserver son anonymat, sa voix a été modifiée et son visage dissimulé. Le contexte, c'est je suis lycéen, je vis plus chez mes parents, je dois avoir 17-18 ans. Fin de lycée, je commence à sortir en discothèque les week-ends. On est une bande de couillons, on aime bien traîner dehors, on aime bien fumer des bédos. C'est un contexte comme ça, quoi. J'ai pas eu une enfance maltraitée, j'ai pas de parcours j'ai un parcours assez classique, un jeune, je dirais, lambda, quoi. J'avais un parcours scolaire assez correct, même si après ça, j'ai commencé à décrocher, hein, forcément. Dès que tu commences à prendre des toxiques tous les week-ends quand tu sors, après, tu rentres dans un monde où ça devient hyper, hyper courant, quoi. C'est la base. Tu sors le week-end, tu prends un peu de coke, tu prends un extra, ou deux, ou trois. Tu vas aller dépenser 200 euros en boîte, tu vas te torcher la gueule, et en fait, c'était... Je pense, à mon époque, c'était déjà hyper con, enfin, c'était classique. Et après, ça bascule assez rapidement, y a des grosses ouvertures pour basculer sur des trucs encore plus dangereux, quoi. Moi, typiquement, après, les fins de soirée, les copains qui te disent « Ouais, mais t'as déjà essayé la stuff ?» on lui donnait des petits noms, en fait, moi, j'étais pas trop... Je savais pas trop ce que je prenais au départ. Après, tu finis par comprendre. On t'explique que c'est de l'héroïne, qu'il faut que tu fasses attention, que si tu en prends pas régulièrement, tu seras pas forcément addict, que tout ça, c'est des conneries, que, effectivement, t'as des effets de défonce qui sont assez grisants et t'as envie de recommencer le week-end. T'as envie après de recommencer de plus en plus régulièrement parce que ça te plaît et que t'aimes te défoncer la gueule, je suppose. Hein. J'étais pas un marginal, je faisais partie d'un grand groupe de jeunes qui étaient comme moi. Faut avouer que la vie dans notre île, c'est pas non plus, il n'y avait pas grand chose à faire. Soit tu allais à la chasse ou à la pêche le week-end, soit tu allais en boîte. Bon. Après, au bout d'un moment, quand tu commences à faire partie du circuit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une grande quantité, ou une quantité moyenne, je dirais, tu en revends une partie pour consommer gratuitement. C'est très vicieux, c'est très malsain, tout ça. Il y a des filles qui viennent te demander de la coke pour des échanges sexuels, il y en a qui viennent t'en demander pour des sous, et tu vois de tout, des filles, toutes les premières années de consommation, c'est l'insouciance totale. C'est là, nous, on consommait de la drogue, on se rendait pas compte de là où on partait. Après, quand tu commences à avoir des copains qui se font une overdose, qui restent à moitié paralysés, ce genre de délire, là, tu commences à y réfléchir un peu plus. Mais le problème, c'est que tu es déjà beaucoup trop intoxiqué pour pouvoir réagir. C'est une drogue qui va te pousser à aller voler ta grand-mère, lui prendre des sous dans son porte-monnaie. Ça va te pousser à faire des trucs de fou, à faire des crapuleries à tes meilleurs amis, et tes amis d'enfance, tu pourrais les balancer pour avoir de la drogue, si tu veux. On n'est vraiment pas protégé. C'est vraiment un pan de la vie dans notre île. La drogue, c'est un tabou. Sans l'être, je sais pas comment t'expliquer. Nous, on était à Ajaccio, on savait qu'ils se droguaient, qu'ils se droguaient pas. Et à côté de ça, on n'a jamais eu de discussion avec aucune personne sensée de la drogue. Et après, un jour, j'ai fait une petite overdose, on va dire. Et donc, j'ai appelé le SAMU, parce que je me sentais vraiment pas bien. D'ailleurs, et à ce moment-là, j'ai demandé à un ami d'appeler le SAMU. Il est parti, en fait. Il m'a dit « Non, démerde-toi », et il est rentré parce qu'il avait peur, en fait, de se retrouver en galère, d'être vu sur place avec moi, d'éventuellement avoir affaire à la police. Donc, en fait, je me suis retrouvé en train de faire
nudée et seule. Alors ce témoignage n'est qu'un extrait, vous pouvez le retrouver en intégralité sur notre site internet corse.france3.fr. Je précise que le jeune homme qui témoigne a réussi à décrocher de l'héroïne et qu'il est sevré depuis plusieurs années. Cela a été possible grâce à un accompagnement médical et un traitement de substitution. Nous allons aborder l'accompagnement des victimes d'addiction dans cette troisième partie de notre émission qui sera consacrée au volet sanitaire et préventif de la lutte contre la drogue. Général Mouchet, on vous dit au revoir. Merci. On vous remercie beaucoup d'avoir participé, de nous avoir accueillis. Ce fut un plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Mathieu Rich, une réaction sur ce témoignage. Qu'est-ce que le jeune homme qui témoigne, donc il avait 20 ans au milieu des années 2000. Aujourd'hui, est-ce que ce qu'il décrit, la réalité qu'il décrit, c'est toujours la même ? Bien, écoutez, on le voit au niveau de la consommation, au niveau des chiffres, on le voit aussi au niveau des témoignages des différentes personnes. Effectivement, il y a une recrudescence, on le voit qui est au milieu des années 2000. Donc finalement, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un phénomène nouveau. On voit simplement que cette consommation se développe et se banalise, comme vous l'aviez dit. Et ça, c'est intéressant de voir le processus, la pression sociale qu'il a eue auprès de sa bande, notamment de sa bande d'amis. On le retrouve aussi dans d'autres addictions. Et comme quoi, on se rend compte que ce facteur de socialisation secondaire, qui est donc du coup les groupes d'amis, joue un rôle important. Et ça, je reviens encore deux fois dessus. L'importance de la socialisation primaire, qui est la famille, ça a été un élément important justement pour les personnes qui étaient jeunes et à qui on a proposé ça, pour qu'elles puissent décrocher. La famille, c'était un soutien primordial, mais aussi pour la prévention. La famille, c'est un élément absolument vital pour pouvoir lutter contre les différentes drogues. Merci. Docteur Étienne François, bonjour. Vous nous rejoignez donc sur ce plateau. Vous êtes médecin psychiatre, addictologue à Ajaccio. Est-ce que vous avez une réaction à ce témoignage ? Pour vous, c'est un parcours classique de quelqu'un qui tombe dans l'addiction ? Alors, on aime bien dire que l'addiction, le comportement addictif, donc ici avec produit, avec substance addictive, est la rencontre en fait d'un individu avec un produit dans un environnement. Alors, ce qui est intéressant avec ce témoignage, c'est qu'on peut contextualiser un petit peu tous les facteurs de risque d'addiction, comme l'a dit Mathieu, et on peut relever un petit peu tous les symptômes de l'addiction et de voir comment elle se développe de façon insidieuse. D'accord ? Donc du coup, l'addiction, on va la définir plutôt classiquement comme une perte de contrôle sur un comportement addictif avec un produit ou plusieurs produits. Donc ça, c'est la définition. Et si vous voulez, le retentissement de l'addiction va signer la gravité. Donc quand j'entends gravité, c'est le retentissement médico-psycho-social. En effet, on voit bien que là, l'addiction, c'est une maladie globale, une maladie médico-psycho-socio-culturelle. Dans le témoignage et dans les précédents reportages, c'est intéressant de noter qu'on passe par plusieurs stades. Le mode d'entrée de la consommation, d'abord récréatif, une chronicisation de ces consommations qui vont du coup induire plusieurs symptômes avec des conséquences sur la structuration familiale, comme l'a dit Mathieu, comme on en a parlé avec le docteur Antonine. Donc tout ça, au plus tôt on agit, au plus tôt on intervient, au plus on est efficace finalement sur les trois stades de prévention. Donc, la prévention primaire, c'est les stratégies d'information. La prévention secondaire, ça va plus être le repérage précoce, donc comment faire rentrer le patient dans le système de soins le plus rapidement. L'enjeu, il est là, en fait. Hein. Et je vous remercie pour cette émission. C'est comment amener les patients le plus rapidement dans le système de soins. Et la prévention tertiaire, c'est finalement limiter le retentissement des complications et du trouble de l'usage dont on parle aujourd'hui. Alors, sur l'aspect préventif, Daniel Antoni, on l'a entendu dans le témoignage, ce que décrit ce jeune homme, c'est qu'à l'époque où il commence à consommer, il a 18 ans, et la drogue en Corse, on n'en parle pas, il prend de l'héroïne, il ne sait même pas ce que c'est, il ne connaît pas les effets que ça peut avoir sur lui. Est-ce que ça a changé aujourd'hui ? Est-ce qu'en termes de prévention et de libération de la parole, d'explication, il y a davantage de choses qui sont mises en place ? Oui, probablement. Mais enfin, moi, j'avoue que je suis mortifiée par ce genre de témoignages qui me touchent beaucoup, parce qu'on a tous des parents, des amis ou des enfants d'amis, de parents qui sont touchés par cette
par cette calamité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et j'avoue que moi, enfin, je fais en tout cas le vœu pieux au cours de cette mandature, et effectivement, avec les différentes fonctions que vous rappeliez, d'aider notre jeunesse à se construire. Et en tant qu'individu, acteur et citoyen, et en tout cas, c'est ce que disait Mathieu, ce qui est important, c'est Mathieu, hein, c'est ça. Mathieu, de renforcer l'accès à la culture, parce que c'est important, à la création, à lever des freins, à la mobilité territoriale, susciter l'intérêt pour l'ouverture vers le monde et favoriser la mobilité internationale. Je crois que ça me paraît très important. Et donc le travail que l'on doit faire, nous, modestement, au sein de la collectivité, c'est essentiellement un travail de prévention. Je ne vois pas ce que l'on pourrait faire d'autre. Et donc je crois qu'il faut continuer à travailler. Et je vous dis, moi, en tout cas, je vais œuvrer dans ce sens et je ferai tout ce que je peux avec mes modestes capacités, mes modestes pouvoirs pour faire avancer les choses. Alors on va s'intéresser maintenant un peu plus précisément à l'aspect de la prise en charge médicale. Mathieu Ricci, on vous remercie. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé. Avant de poursuivre, on va regarder un reportage consacré donc à cet accompagnement médical. Il est réalisé par Pierre Nicolas et Christian Giuliano sur un montage d'Alexa Genti. Phil, la quarantaine, passe au centre d'addictologie de Bastia pour avoir une prescription de méthadone. Le médecin qui le reçoit sait que c'est mieux que toutes les drogues que ce trentenaire venu du Nord a trouvé ici et qu'il trouve encore. Le cannabis à 13 ans a pour le coup été une porte d'entrée vers d'autres choses. Le docteur l'admet, difficilement. La Corse est devenue un environnement propice comme un autre. Si vous me posez la question pourquoi, ça serait un long débat, mais il faut le constater, oui, oui. Il est rare de voir une monotoxicomanie. On parle de polytoxicomanie, pour la faire plus courte, de toxicomanie tout court. C'est vrai qu'un des moyens d'entrée dans la toxicomanie, en tous les cas concernant le territoire, c'est le cannabis, dès le lycée, comme je vous l'ai dit. Et puis il vient assez rapidement, parce que le maillage des dealers se recouvre. On se retrouve confronté à l'usage de drogues dites dures. Phil est sincère sur son parcours et ses aveux montrent à quel point sa prise en charge est compliquée. Ben moi, ça fait plus de 20 ans que je suis addict à plusieurs produits. Commencé à 13 ans, cannabis, alcool, et après cocaïne, héroïne, surtout héroïne. Et en ce moment, beaucoup alcool, méthadone et cocaïne. 20 ans de produits, de rechutes, de rues, de travail, mais que beaucoup de rechutes, quoi, tout le temps. De post-cure, d'hôpital, de psychiatrie. La Corse m'a beaucoup sauvé, en fait. Mais j'ai beaucoup replongé aussi. J'ai de la chance. J'ai jamais menti à mes patrons, j'ai jamais caché. Et franchement, ça s'est toujours pas trop mal passé, on m'a beaucoup aidé, beaucoup. Moi j'ai eu des périodes d'abstinence, je sais que c'est possible d'arrêter. Le plus dur c'est pas d'arrêter, c'est de pas reprendre. Moi je sais qu'en ce moment c'est très très compliqué, très compliqué. Très très compliqué. C'est une merde quotidienne. Hein. Ah moi j'ai tout perdu à cause de ça, tout perdu. Donc, famille, argent, santé. Donc. Y compris les relations avec vos proches Ah oui, moi je vois plus personne. Ils mettent en faillite un petit peu leur avenir immédiat. Hein. C'est-à-dire que cela entraîne indubitablement des aléas au travail, avec des absences répétées. De l'endettement ? De l'endettement. Obligé d'avoir recours à des prêts entre pairs. Et tout cela entraîne donc ensuite des gens qui sont redevables et qui entraînent quand même un certain chaos, il faut le dire. Un chaos encore accru par le succès de drogues anciennes et nouvelles, comme le constate le psychologue qui dirige le centre de Bastia. On a quand même une explosion des consommations de cocaïne, par exemple, qu'on voit très peu chez nous, enfin dans nos centres, parce que...
le rapport au produit fait qu'on ne va pas forcément aller consulter ou très peu, ou très rarement. Il y a aussi des nouveaux produits, hein, même sur des cannabinoïdes de synthèse, etc. Du protoxyde d'azote, les ballons hein, qui sont consommés en soirée, ça a explosé, ça a pris une ampleur même un peu démentielle. Là aussi, notre mission, c'est même si on n'est pas dans le soin, il faut au moins diffuser, informer sur les risques, notamment au niveau neuronal, je dirais, au niveau du système nerveux, où c'est très, très délétère, assez rapidement. Les centres d'addictologie sont en tout cas presque tous d'accord sur une discussion qui fait rage. Légaliser le cannabis permettrait, selon eux, une chute du trafic, une meilleure qualité des produits et des rentrées fiscales pour lutter contre la dépendance. Le débat en France reste ouvert. Alors, de nouveaux produits, une polyconsommation. Docteur François, est-ce que la dangerosité des produits, ça vous inquiète ? Alors, oui, ça m'inquiète parce que on le voit, je le vois dans ma pratique quotidienne, il y a une escalade dans la recherche d'un produit de plus en plus avec un pouvoir addictogène de plus en plus élevé. Voilà. Tous les produits maintenant sont fabriqués pour avoir un pouvoir addictogène élevé et donc un risque d'addiction de plus en plus sévère. C'est une stratégie marketing. C'est une stratégie marketing d'économie de marché. Hein. On va pas se mentir. Et donc du coup, au plus le produit est addictogène, au moins il y a besoin d'avoir de vulnérabilité individuelle ou d'exposition ou environnementale ou d'histoire personnelle, d'environnement de vie pour développer une addiction. Souvent, j'aime expliquer à mes patients l'exemple de la cocaïne. On peut consommer de la cocaïne toutes les deux semaines de façon récréative et développer très rapidement de façon insidieuse une addiction. D'accord ? Et les nouveaux produits de synthèse sont fabriqués dans ce sens-là. On parle souvent des produits de coupe, donc du coup c'est vrai qu'il est ajouté parfois à la cocaïne, à l'héroïne, des morphiniques de synthèse, hein, des produits encore plus puissants, qui sont donc à haut risque en plus de dépression respiratoire, à haut risque mortel, d'overdose, comme on en a entendu parler dans les témoignages, et qui donc maximalise la dangerosité des consommations et du produit en lui-même. D'accord ? C'est, finalement, à travers le reportage, on voit bien les axes de priorité. Limiter l'accès à tous ces produits, hein, tous ensemble, par notre coopération, hein, tous les différents organes de soignants et non-soignants. Et du coup, comment limiter l'accès aux jeunes ? Parce qu'au plus on consomme jeune, au plus c'est difficile finalement d'arrêter pour utiliser des messages simples. Au plus on consomme des produits addictifs, quels qu'ils soient, dans la période d'adolescence, qui s'étend maintenant de 15 ans finalement à 25 ans, au plus il y a un risque de chronicisation de ces comportements addictifs. Et donc d'avoir un retentissement médical, psychologique et également sociaux, professionnels, judiciaires. Voilà. Daniel Antonini, sur la prévention, concrètement, qu'est-ce que la collectivité de Corse propose ? Ben, je crois qu'il faut intervenir auprès des jeunes, là où ils sont, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les soirées, les festivals, à l'école. À mon avis, le partenariat avec l'éducation nationale doit être fort et l'école doit vraiment s'ouvrir aux intervenants spécialisés en prévention et pas seulement aux intervenants de sensibilisation des services de police. À mon sens, il faut impliquer les enseignants et inscrire la prévention dans le parcours scolaire en l'adaptant à chaque âge. Vous avez vu qu'il a commencé à prendre du cannabis à l'âge de 13 ans et c'est ce que j'ai un petit peu entendu et lu. C'est souvent à cet âge-là que ça commence. Maintenant, nous sommes à la collectivité, nous sommes en marge des compétences hein, de celle-ci et surtout en compétences croisées qui relèvent fortement des services de l'État. Par contre, moi, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre des compétences information jeunesse, la collectivité, elle peut agir au niveau du jeune public en portant une mission de prévention, prévention des comportements à risque. Et par exemple, je voudrais prendre l'exemple du CSJC, où il existe des ateliers de sensibilisation qui ont été mis en place, notamment sur l'entraide, la solidarité, bien sûr, mais également la diététique, parce que les sportifs de haut niveau ont besoin d'avoir de la diététique. Et on parlait tout à l'heure avec le docteur François d'un type d'addiction, l'addiction au sucre ou autre, qui n'est pas tout à fait une toxicomanie, mais qui est une forme de conduite qui peut être addictive. Et on a fait également des ateliers sur les violences sexuelles, le bizutage, et bien sûr sur les conduites addictives. Et ça, je crois que c'est très important, et c'est notre rôle. Monsieur le procureur, sur la collaboration avec la collectivité
sur la prévention ? Alors, la collaboration non seulement avec la collectivité, mais aussi avec les municipalités. Alors, elle existe, elle se renforce d'ailleurs de plus en plus. Je prendrai pour exemple les deux contrats intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance dans le Grand Bastia et en Balagne, qui est à l'initiative des élus locaux et des autorités de l'État, et qui a justement des partenariats qui ont pour vocation de concilier une démarche de prévention scolaire, une démarche de prévention sociale, parce que la toxicomanie, on le voit, c'est de la désocialisation, c'est une perte d'emploi. Donc on doit non seulement travailler sur l'éducation, et là je rejoins parfaitement la représentante de la collectivité de Corse, mais on doit aussi travailler sur la réinsertion professionnelle des gens qui sont touchés par ce fléau. Donc cette coopération, elle existe, elle a plutôt tendance à se renforcer actuellement, ce qui est une démarche que je trouve absolument essentielle, parce qu'on a parlé des trafic dans votre première partie d'émission, et comme l'avait dit le général, sans consommateur, il n'y aura plus de trafiquants. Donc il faut à la fois lutter judiciairement contre le trafic et accompagner les consommateurs pour sortir de cette addiction, tout en rappelant évidemment, et c'est mon rôle, que consommer des stupéfiants, ça reste un délit pénal. Docteur François, vous voulez réagir ? Oui, je suis d'accord avec les invités du plateau, dans la mesure où le but est de limiter l'isolement d'un patient, hein, c'est important d'employer le terme de patient, un patient qui a un trouble de l'usage de substances addictives, également de favoriser sa réinsertion de façon globale. Et du coup, c'est comment lutter au plus près en ramenant toujours vers le soin les patients. D'accord, on est tous concernés, on a tous un entourage qu'on peut sensibiliser. D'accord, comment repérer de façon précoce tous les symptômes? Un jeune qui va dire à sa famille « je consomme parce que tous mes amis consomment », c'est déjà un symptôme finalement de trouble de l'usage à une substance addictive. Donc ça, c'est intéressant, voilà, de lui dire que des solutions existent, des médecins, des soignants, des professionnels de santé peuvent l'aider. Voilà. Merci, ce sera le mot de la fin, même si sur le sujet il y a encore beaucoup à dire. Madame, messieurs, merci pour vos explications, analyses. Merci. Vos éclairages. Merci d'avoir participé à notre émission spéciale et consacrée à la drogue en Corse. Elle touche à sa fin. Merci aux équipes techniques de France 3 Corse Via Stella qui ont permis la réalisation en extérieur de cette émission. Et merci à vous de nous avoir suivis.